Voitures, mobilier urbain, parking, dans ce quartier des Chassaignes à Saint-Mexan, tout est souillé par les fientes. C'est jonché de fientes d'oiseaux, c'est innommable. Là, ça colle parce qu'il a plu. Et en plus, on a les odeurs et au niveau salubrité, c'est grave, quoi. Les pollueurs, les voilà, les étourneaux. Tous les soirs, par milliers, ces passereaux colonisent les arbres de la cité, conséquence des tonnes de déjections. Problème, plus personne pour nettoyer. On a été à la mairie, on a fait au conseil municipal, et on dit non, c'est pas à nous de le faire, voilà. Et ils sont venus quand même le faire une fois dans l'année, là, depuis le mois de mai que les étourneaux sont arrivés, et en nous mettant une lettre dans les boîtes aux lettres 3 jours, 4 jours après, en nous disant que c'était exceptionnel qu'ils le fassent. Alors qui pour entretenir la cité ? La mairie et le bailleur social de Sèvres Habitat se renvoient aujourd'hui la balle. En attendant, les habitants du quartier sont à bout. C'est gênant pour l'odeur, pour tout, le bruit, tout. On ne peut même pas ouvrir les fenêtres des chambres parce que ça rentre. Moi, si je pouvais partir d'ici, je partirais. Hein, parce que franchement, il y en a marre hein, de ce bruit des oiseaux. Reste le système D pour faire fuir les volatiles. Mais ils reviennent toujours.